Bonjour, bonjour et bonsoir. J'espère que les miens ne vont pas me prendre. Salut la famille. Vous croyez que quoi là? Que Joshua? Elle dit que Joshua là? Ah, dis donc. Moi, vous parlez que pour vous là. Moi, je ne peux même pas accepter. Notre frère a décidé dorénavant de se faire battre pour avoir son argent. Au lieu de taper les gens. Pour avoir de l'argent. Voilà, il a décidé. Maintenant, il va se faire battre. Voilà, il va laisser qu'on le tape pour avoir son argent. Et c'est la même chose, ce n'est qu'un jeu, c'est le sport. On appelle ça un sport de divertissement, un jeu. Les gens parient, les gens s'amusent, les gens qui ont déjà l'argent, les argentiers du monde s'amusent. Il n'y a que l'Africain qui fait tout avec l'émotion. Le sport, en réalité, c'est pour ceux-là hein, qui ont les moyens, hein, les sports professionnels. C'est pour ceux qui ont les moyens qui investissent des gens. Voilà, les hommes d'affaires, voilà, le blanchissement d'argent, les multimilliardaires, c'est pour ça. Comme vous voyez, on a créé des clubs sur le moyen de blanchir l'argent. Hein? Comme le Qatari qui a pris le PSG, ils mettent beaucoup d'argent. Tu te demandes, mais l'argent, il sort d'où? Voilà. C'est un truc facile. C'est comme les footballeurs eux-mêmes, après leur fin de carrière, investissent dans le football. Mais vous ne voyez pas que combien de footballeurs ont une équipe de football après la fin de leur carrière. Alors qu'on écoute seulement les montants d'argent. Il y a des pauvres en Afrique. Les pauvres en Afrique qui ont des clubs. Mais qui n'ont pas le genre d'argent que les footballeurs professionnels ont. Mais ils ont les clubs, les pauvres. Les débrouillards ont les clubs. Ils peuvent gérer, ils s'en sortent. Donc arrêtez un peu d'avenir embrouiller les gens. Voilà. Anthony Joshua est anglais. Voilà. La boxe anglaise, c'est la chose des anglais. Voilà. Toi, on peut t'adopter ailleurs. Mais c'est la chose. Ils décident qui va gagner. Ils mettent de l'argent. Voilà. C'est un peu comme le Kungan. Tu ne peux pas aller gagner quelque chose. Tu ne peux pas gagner quelque chose dans la main de quelqu'un. C'est sa chose. Il t'impose. On te donne de l'argent. Africain, sortez de l'émotion. Voilà. L'AVC est gratuite. Mais c'est le médicament qui coûte cher. Est-ce que tu comprends? Voilà, arrêtez d'être dans l'émotion. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je mets ma main au faux. C'est les choses arrangées depuis la nuit des temps. Les Saoudiens ont décidé de mettre l'argent pour vendre le pays. Vous voyez quoi là? Attendez, voilà les Ronaldo qui jouent. Voilà les Ronaldo qui jouent en Arabie Saoudite. Il y a le Camerounais là. L'argent que le gars là, c'est la magie. Hein. Ouais, c'est le Bahamsi là. Celui qui a joué. Le Brunsi là qui a joué un mandat à l'équipe nationale là. C'est un Saoudien. Je connais son petit frère Abonamous a dit. Le gars sort les conteneurs chaque jour. Mais oui, le gars construit les immeubles partout là-bas à Douala. Le gars a un agent insolent. Hein. Mais oui, je ne suis pas sûr quand il jouait là, il prenait même sa part de prime. Le Brun là, on l'appelle même c'est qui là oh. Dans Mangado, hein. Dans Mangado Money, il joue en Arabie Saoudite. Voilà. Il a les cris de voiture que c'est un joueur de l'équipe nationale qui joue en Europe, non pas. Mais oui, le Brun là. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Wow, Anthony Joshua, tu peux taper. Il peut taper notre vrai vrai là. On propose l'argent. On dit, monsieur, la dernière fois, tu as failli humilier notre champion. Et dans chaque discipline, il y a les mascottes. Dans toutes les disciplines de ce monde, il y a ce qu'on appelle les mascottes. Voilà. Francis Ngannou ne fait pas encore partie de la discipline de boxe anglaise. Ce n'est pas sa chose. Donc tu vas quitter de ta discipline pour venir imposer dans une autre discipline. Monsieur, et ils ont l'argent pour ça. Ok? C'est l'une des plus vieilles disciplines du monde. Ils mettent l'argent pour leur discipline. Voilà. Africains, ouvrez le cerveau. Nous-mêmes, on peut organiser une autre chose. Et ça ne sort jamais. Ça ne sort jamais. Ce n'est pas ailleurs. C'est une autre chose. Mais oui, les gens créent les choses, vous venez gagner dedans. Vous prenez ça vous-même d'abord. Et de sur quoi? Et de sur quoi? Tu es une mascotte du MMA, du PLF. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire là? Vous comprenez ce que ça veut dire là? Donc, tu vas quitter de ta discipline. On t'accorde une faveur. Parce que, on pouvait dire qu'on ne t'accepte pas le combat.
Mais oui, oui, oui. On pouvait dire à Francis Ngannou que monsieur, on connaît tu es fort, mais on te refuse de combattre. On refuse le combat. Mais quand le fait d'être accepté, c'est ça. Bon, mais il faut écouter Tyson Fury quand il parle là. Tyson Fury dit beaucoup de vérité. Mais comme on est là, on va comprendre, nous les Africains, que normalement, Francis Ngannou doit se mettre en genoux quand il me parle. Parce que c'est grâce à moi que voilà son deuxième combat. Et il va encaisser beaucoup d'argent. C'est une affaire de beaucoup d'argent, la boxe anglaise. C'est un sport de divertissement. Mais derrière, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi qu'est-ce qui a fait quitter notre frère Francis Ngannou de l'UFC? Mais c'est quoi? C'est une affaire d'argent. Il était mal rémunéré. Il se plaignait chaque fois. On dit va te faire foutre. Voilà quelqu'un en 14 combats. Il n'a que reçu, tous les montants confondus, 3 millions de dollars seulement. 3 millions de dollars, 14 combats. Il y a une vidéo, il explique tout. Il explique tout. On te paye quand tu es en exercice. On vous bloque là. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous ne pouvez pas aller ailleurs combattre. Vous cherchez. Mais oui, et on vous bloque. Et on ne vous renomme pas normalement. Mais attendez, le gars a décidé de partir. Il a accepté le contrat dans le PFL. Et le PFL qui a accepté aussi tous ses caprices. Que bon, je suis votre mascotte, mais je peux aller me chercher dans la boxe anglaise. Je peux aller un peu chercher mon argent. Mais c'est la vie, c'est ça, les gars. Donc, c'est une affaire d'argent. Francis Ngannou ne peut jamais gagner. Que ouais, il a sali son image. Mais quelle sali image? Quelle sali image, mon frère? Les gens sont dans les games, ils cherchent l'argent. Que quand en question, c'est 11 milliards de francs CFA. Parce qu'on lui a donné un coup de poing. Ah bon? Mon ami, il y a des gens qui vendent tous les enfants aux femmes là. Pour avoir l'argent. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là qui parle comme ça là. Il a sali son image. Ouais, mais oui, il se laisse taper pour vivre, mon gars. Il gagne l'argent. Tu as vu ça où? Tu ne comprends rien. Voilà quelqu'un qui a résisté. Ou bien c'est 10 rounds. Ou bien c'est combien de rounds? Avec Tyson Fury. Mais devant Anthony Joshua, que non, ce n'est pas la même catégorie. Qui est le tenant du titre? Qui est le champion du monde en boxe anglaise? Ce n'est pas Tyson Fury. Comment quelqu'un qui a mis à terre quelqu'un qui te tape? Mais toi, oui, c'est possible. Mais mon ami, pas un gars comme un monsieur complet comme Francis Ngannou. Francis Ngannou vient des sports les plus violents du monde, le MMA. Il est champion du monde. Il a la ceinture, il est parti avec. Et on a son macabre. Voilà pourquoi l'organisation UFC a son macabre. Ah, tu sais ce qu'il veut dire voler un titre, partir avec. Gagner un titre et démissionner. C'est comme quelqu'un qui joue le Django avec toi. Qui te bouffe, qui te bouffe, qui te bouffe. Pendant que tu as espoir de récupérer ton argent. Hein? Et lui, il abandonne, il dit qu'il ne joue plus lui. Il dit qu'il ne parie plus. Tu as vu ça? Ça engendre souvent les bagarres. J'ai dit bien que ça engendre souvent les bagarres. Tu bagarres avec, tu commences à jouer le côté avec quelqu'un. Il te chope tous tes 50 colos. Maintenant, te voilà, tu fais ce qu'on appelle la remontada. Tu récupères 5000. Tu commences à avoir espoir. Il dit qu'il peut continuer à miser. Le type, s'il récupère tout son argent, je perds tout. Qu'est-ce qu'il fait? Le gars renonce au jeu. Mais attendez, ça commence souvent le bagarre, la bagarre. Mais oui! Ça provoque les bagarres. Les bagarres. Mais comment tu ne veux plus jouer? Mais le gars dit qu'il ne joue plus. Tu as forcé. Le gars a pris la ceinture du MMA, de l'UFC, l'organisation de l'UFC. Mon frère, il est parti avec. Alors, il est parti avec. Mon ami, quelqu'un se fait taper, on lui donne l'argent. Mon ami, tu n'es pas de notre discipline. Tu n'es pas de notre. Vous ne comprenez pas ça? Mon ami, tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. C'est ça. Quand il risque ce qu'il a vu là. Vous connaissez les professionnels. Voilà. Avant qu'il se laisse taper comme ça là. Ah bon? Mon ami, il y a eu des tournages où Jackie Chan, le grand acteur Jackie Chan. Il y a eu des tournages de films où il a pris des coups. Il prend les vacances pour six mois. Certains acteurs prennent même les vacances. Le traitement, un an. Mais c'est la mise en scène. Les cascadeurs perdent leur vie pendant le déroulement d'un film. Alors, on tourne un film, les gens meurent. Alors que c'est une mise en scène. Mon ami, c'est les erreurs techniques. Vous parlez quoi là? C'est les professionnels. C'est pourquoi je te dis, n'essaye pas ça à la maison.
Le catch, c'est la mise en scène. Le catch qui est violent, que quelqu'un qui est là-bas en haut, il tombe sur l'autre, boum, c'est la mise en scène. Donc calmez-vous un peu là, vous êtes trop petit. Vous savez ce que dit le MMA, hein? Un gars comme Francis Ngannou là. Mais on est là, on joue sur vos cerveaux. Vous mettez le cœur. Mon ami, laissez ça. C'est pas le drapeau du Cameroun qui est là-bas. D'abord, il est français. C'est toi qui l'as occupé l'OTAN. J'ai vu l'autre jour sur TV5 Afrique, TV5 Monde. Les deux pages à la fois, collées. Le franco-camerounais. Donc, ce n'est pas des fous. Ils ne disent pas des choses pour rien. Je vous ai toujours dit souvent, quand vous voyez une star dans plusieurs pays, ne cherchez pas des médias à 14h. La majorité des temps, ils ont la double nationalité. L'autre passeport, c'est pour les sécuriser. C'est pour les permettre à voyager, à aller n'importe où. Aujourd'hui, tu vois Samir Eto'o là-bas. Demain, tu vois Samir. Mon ami, quand on dit que le passeport camerounais ne peut pas aller dans tel pays, il y a des pays où tu ne vas pas. On ne te donne pas le visa. Donc, vous n'êtes pas la bienvenue là-bas. Mais c'est clair, il y a des pays comme ça là. Vous parlez quoi là? J'ai trouvé quelqu'un, un grand, dans un pays là, entier clandestinement. Parce que le passeport camerounais est interdit là-bas. C'est les autorités du pays là qui l'ont fait entrer. Mais clandestinement. Est-ce que tu comprends? Qui t'a dit que c'est à la personne qu'on donne le visa? Ce sont des conventions entre pays. On dit que le passeport s'il ne part pas là-bas. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde. Mais vous voyez quelqu'un dans tous les pays, il se balade au même moment. Sachez qu'il a là son passeport. Il y a même des conditions. Il y a les pays où tu pars, tu investis 1 million de dollars, tu as le passeport. Il y a les pays où tu pars, tu achètes la maison 1 million de dollars. Bon, allez en Malte, par exemple. Allez en Malte. Voilà. Il y a les pays, on signe des conventions. Il y a la Nouvelle-Calédonie. Tu parles, on te donne ton passeport. Tu as le passeport, mais tu as investi 1 million de dollars. Il y a les pays où on te dit que les conditions. Tu as investi 1 million de dollars. Les gars achètent les maisons, ils abandonnent. On te donne le passeport. C'est pour tes affaires. Les Chinois font ça. Mais oui. Alors, il y a les passeports. Il y a le pays de l'Amérique latine, c'est là, l'Équateur. Mais attendez, il y a beaucoup là. Attends, tu le prends dans la légalité, hein. Tu le prends dans la légalité. Mais tu payes seulement les frais. Vous parlez quoi là? Il n'y a que l'Africain qui ne comprend rien. Mais comment il fait pour ses affaires? Comment il fait pour bouger? Mon ami, beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a les pays où, mon ami, on te dit que voilà le passeport. Prends. Mais oui, bien sûr. Il y a le comment. Alors, tu parles, on te donne ton passeport. Les gars voyagent. Voilà quoi là? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous ne comprenez jamais rien dans la vie. Vous êtes tout dans l'émotion. Tout peut être bien arrangé. Tout peut être bien arrangé. On arrange. Tu crois que c'est la vérité alors que c'est la mafia. Voilà. C'est la mafia. Attends. La politique n'est pas la mafia. Hein? La politique, c'est la mafia. Il y a ceux qui viennent pour bien travailler. Il y a ceux qui viennent pour mal travailler. Mais c'est la mafia. C'est la mafia. C'est clair. C'est un gang de mafieux. Ils se protègent. Ils se soutiennent. C'est la mafia qui a tout gouverné le monde. La mafia. Vous voyez comment quelqu'un va à l'école. Il travaille à la banque. C'est son père qui l'a orienté. Tu vas devenir banquier. Tu seras avocat. Tu seras. Mais il se rend compte qu'il fait les transferts sans s'en rendre compte que c'est l'argent de la mafia qu'il fait comme ça les transferts. Mais c'est l'argent de son père. Mais il sait que c'est l'argent de son père. Son père les entreprises. Il sait qu'il est comptable. Il sait qu'il est gestionnaire. Mais il oublie que son père appartient à la mafia. Mais lui-même, il ne connaît pas qu'il appartient à la mafia. Vous êtes les enfants. Vous ne connaissez rien. Nous, on a fait les pays. On a fait des pays. Quand une banque, mais c'est l'argent de la mafia. C'est l'argent de la banque mafia qu'on tourne. Bon, je prends un exemple. On a une tribu au Cameroun, les Bamileke. Comment ils font pour ouvrir les banques? Comment ils font pour ouvrir la banque? 10 hommes d'affaires s'asseyent. Mais au lieu d'aller chercher les partenaires, nous, on ouvre notre coopérative. Au départ, la coopérative que les Bamileke ouvrent au Cameroun, c'est d'abord pour protéger l'argent, pour tourner l'argent. Maintenant, en fonction de ce que tu as mis dans la banque, c'est en fonction de cela quand on fait les prêts. Tu gagnes plus que celui qui a mis moins. C'est naturel. C'est comme ça que se tourne la mafia. On se soutient, on se protège. Comme les francs-maçons. Comme la Rose-Croix. On se soutient entre nous les frères. Nous sommes les frères. La même obédience religieuse. C'est la même chose comme la mafia. L'enfant grandit chez un père mafieux. Il travaille dans l'organisation de la mafia, mais sans s'en rendre compte. Il est même magistrat. Il rend des décisions en faveur de la mafia, sans s'en rendre compte. Parce que c'est son père qui lui dit. Son père l'influence, mais sans connaître. Mais c'est la mafia, bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr. Quelqu'un est commissaire. Quelqu'un est shérif. Mais il a grandi dans le ghetto. Le parent a tout fait. Il est parti à l'école. Ta mère était pauvre, mais tu as fait les grandes écoles. Mais toi, tu ne connais pas que tu es dans la mafia. Demain, tu te rends compte que tu es obligé de laisser souvent certaines choses passer. Mais oui, c'est comme ça. Il y a les ripoux partout. Les ripoux dans les corps en tenue ne sont pas toutes les mauvaises personnes. Parfois, c'est le milieu où ils ont grandi qui influence sur eux. C'est la logique de la vie. C'est comme ça. C'est la logique de la vie. La mafia est partout. Même chez les prêtres, il y a les mafieux. Il y a les indiques, même dans la police. La vie, c'est ça. Ils sont partout dans le monde. Donc, combien de fois dans les grands espaces du monde, les plus puissants, ils sont là. Combien de fois dans un jeu de divertissement, les gens qui ont créé les choses. La boxe anglaise, c'est une marque anglaise. C'est la marque de chez eux. C'est une marque. Ok? Donc arrêtez de venir emmerder les gens qu'on a entendu parler là que non, vraiment vous connaissez quoi, les coups de poing. Mon ami, c'est le secret de la vie. Il y a les cascadeurs qui meurent dans les films. Ils réussissent. Ils tournent en l'air avec la moto. C'est un cascadeur. Parfois, il se fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé pour continuer le film. On cherche son sosie. Au départ, celui qui s'est fait du mal, c'est lui que vous voyez. Mais, pendant qu'il est au moment de la cascade, c'est une autre personne, mais dans le mouvement, vous ne connaissez pas que c'est lui. Il est derrière, on a la motion, le motion dans le motion. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Donc, laissez-moi vos affaires là que vous parlez là. Anthony Joshua ne tape pas Francine Ngannou. On lui a dit, monsieur, voilà l'argent. Tu te laisses taper. Deuxième rang. C'est tout. Tu te laisses taper au deuxième rang. Tu cherches ton argent, mon frère, laisse ça. C'est nous les kings. Nous sommes le sport le plus grand du monde. On a l'argent. C'est tout. Chacun a sa mafia. La vie, c'est ça. Va venir dans la show, les gens vont les gagner. Va venir dans la show, les gens vont les gagner. Vous parlez, les trucs n'ont pas de sens. Alors, non, laissez ça, vous êtes trop petit. Vous ne pouvez rien comprendre. C'est nous, en fait, c'est nous les Africains. On a trop le problème. Voilà, on a trop le problème. Mon ami, les gars ont les passeports. Anthony Joshua est né en Angleterre. Voilà, il est anglais. Hein? Tyson Fury, l'autre l'a mis l'autre jour à terre. Un coup de poing, bon! Entre Tyson Fury et Anthony Joshua, qui est plus fort que l'autre? Tyson Fury est le tenant du titre. Ouais, c'est le boxeur poids lourd le plus titré. Mais cette fois-ci, on a dit, c'est pas ce que nous on veut. Pas ce que nous on veut. Ok? Voilà ce que tu vas faire. Tu te laisses taper. C'est simple comme bonjour. Là, comment Francine Ngannou tombe là? Vous ne voyez pas souvent. Vous savez, dans la vie, non? Il y a souvent des choses que quand tu vois, tu comprends que non. Il y a eu jeu. Mais ici, là, c'est exagéré. Regardez un professionnel comme Francine Ngannou. Au deuxième rang, il encaisse un coup de poing. Il tombe. Après, il se lève là. Mais attends, il se laisse encore taper. Non, laissez ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça. Le MMA est plus violent. C'est le sport où on doit être le plus vif et attentionné, le plus rapide. Comment laisser ça, dis donc? Il a dit à Tyson Fury l'autre jour que si tu sors de ta discipline, que c'est ta discipline qui te sauve, tu sors de ta discipline, tu me trouves dans le mien, dans la mienne, le temps pour moi. Je t'écrase en deux secondes. Est-ce qu'il ment? Un homme aussi rapide. Ah, on parle quoi là que Tony Joshua? Le tout là, il n'y a que les Africains, hein? Le monde entier a crié. On a donné la victoire à Francine Ngannou. Le monde entier avait crié. On a donné la victoire à Francine Ngannou. Mais les règles de la boxe anglaise, hein, a donné la victoire à Tyson Fury, qui fait partie de la mafia. Mon frère, c'est la mascotte. Ah oui. C'est la égérie. Chaque discipline a sa part d'égérie. Comme les Tiger Woods font partie des égéries du golf, celui-là, le portugais, là, le polonais, là, du tennis. Chacun a ses égéries. Ils sont représentés partout dans le monde. Et dans chaque pays, ils ont un ambassadeur. La vie, c'est comme ça. Petit frère, c'est que vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas venir me gagner dans ma chose. Tu mens. Voilà les catholiques, non? Ils ont fait les choses, non? Vous ne comprenez pas ça? Je me souviens à l'époque quand j'étais en Libye. Quand j'étais en Libye, il y a eu un problème en Libye. Mais attendez, on a porté l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on l'a rapatrié. Kadhafi avait dit qu'il va construire sa part de Kaaba. Que tout ça, c'est l'escroquerie. Que comment?
Quand on devait faire un pèlerinage, on part dans chaque pays. Vous connaissez combien de milliards de dollars le pèlerinage rapporte l'argent à l'Arabie Saoudite? C'est beaucoup d'argent. Et c'est même quand même l'autre voulait faire ça. Et voilà pourquoi parmi les Arabes, l'Arabie Saoudite fait partie des gawats. Les gawats en langue arabe, que j'ai pas envie de parler ici. Les gawats. Quand tu rencontres les Arabes, l'Arabie Saoudite fait partie des gawats. Parmi les Arabes. Voilà, là, voilà, à côté, là, on est en train d'écraser, exterminer les Palestiniens. Ils ne parlent pas. Et c'est le pays musulman où le prophète vient. Où qui perçoit tous les Arabes. Vous parlez, voilà, la vie, c'est la mafia, les gars. Hein? On persécute les musulmans là-bas. Mon ami, on va te dire qu'ils ont signé un pacte de non-agression contre l'État d'Israël. D'abord, ils ne peuvent même pas d'abord. Parce que même celui qui les protège, c'est les Américains. Les Américains qui sont qui? C'est les Israéliens à vie. Donc c'est pour dire quoi? La vie est contrôlée par la mafia. C'est dans la mafia que tu comprends que non. L'ennemi de ton ennemi n'est pas ton ennemi absolument. Fais attention. L'ennemi de ton ennemi n'est pas ton ennemi. Voilà. Donc c'est dans la mafia que tu comprends. L'ennemi de ton ennemi n'est pas ton ennemi. L'ami de ton ami n'est pas ton ami. C'est une guerre d'intérêt. Voilà. Chacun veut garder le pouvoir entre les mains de sa personne. Chacun a son égérie. On a vu en Italie, Berlusconi, wow, chaque jour, wow, dedans, il est dedans en prison. Après, il sort, il devient premier ministre. On le préfère que les autres. Parce qu'avec lui, on peut dealer. La vie, c'est ça. Le monde est gouverné par la mafia. Voilà. Ça, ce n'est qu'un sport. Voilà. Le monde est gouverné par la mafia. À tous les échelons de la vie. La vie, c'est ça. Il y a là où on te dit que si tu n'es pas le fils de, tu n'es pas l'enfant de. Il y a là où on te dit que si tu ne prends pas le passeport, tu ne passes pas. L'autre jour, TV 5 ami, le franco-camerounais, je vois les Africains. Non, c'est un Camerounais, oui, mon ami. Sois sage, prends ta part de passeport aussi. Tu n'as pas des ambitions politiques. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends pour prendre ta part de passeport? Donc voilà, non, il n'y a que mes enfants qui ont le passeport. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Est-ce que tu es comme Banga Diaspora quand on vient, on arrête chaque temps, on tabasse, on fouille ma maison? La dernière fois, quand ils m'ont arrêté, ils ont fouillé ma maison. On dit que tu as le passeport, non? On va te rapatrier là où tu viens, là-bas, à Jakarta, à Singapour. Ils étaient convaincus que moi, j'avais le passeport. Ils ont fait près de 2 heures de temps chez moi pour fouiller mon passeport. Ils ont dit que je suis pas. Non, ils disent à ma femme que. Il y a un là qui parle, pas toi là. Que ton mari, quand il parle là, tu ne peux pas parler. Tu peux lui dire de fermer sa bouche. Ok, on va le rapatrier lui. Toi, tu as tes problèmes. Tu es là, tu peux au Cameroun, tu es là dans tes bars, tu bois ton vin, tu n'as pas toi de problème. Tu cherches ton argent. Tu fais quoi pour avoir le passeport? Prends ta part de passeport. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Quand ils disent que le franco-camerounais, ils ne sont pas fous. C'est un document de voyage. C'est un document pour accéder à. L'ancien lion inondable, l'ancien lion inondable avait tout expliqué. Quand tous ces gens sont la double nationalité, il n'y a que moi. On passe une étape, il est tel. Hé, abandonne tu Wanda. On va son. Mais tu dis que, mais attends. Mais il a que raison. Ça vient de toi, espagnol. Kameni. Hé, c'est là que tu Wanda que, et donc tout le monde que tu vois la nationalité. Mais c'est toi qui es là. Tu attends quoi? Tu attends quoi, mon frère? Pour prendre ta part de nationalité. Moi, je ne vais pas prendre. Parce que j'ai décidé d'être en public. J'ai décidé de parler la vérité. Et quand tu vis comme moi là, il faut être sur terre, il faut être droit. Donc je fais l'effort d'être droit dans mon pays. Voilà. Je ne fais pas des choses qu'on va profiter de ça pour m'écarter. Parce que j'ai dit, j'ai des ambitions. Donc je suis en train d'assainir. Parce qu'au moment venu, je vais dire que moi aussi je me positionne. Mais pour le moment là, je ne veux rien. Mais le moment viendra, je vais me positionner parce que je ne mène pas un combat pour rester derrière. Je mène pour aller montrer l'exemple qu'on peut construire son pays sans voler. Et voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, j'utilise mon audience pour faire certains dons au Cameroun. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, le monde est basé sur la mafia. Donc, on passe ton temps à rester là. Non, Francine Nganou, il est fou, c'est un franco-camerounais. Je fais la capture des camps. Je crois à ce que ces gens se disent. Si vos ministres sont les étrangers, si vos ministres là, tous ont les passeports, si votre première dame est française, ça ne te dit rien. Quand tu as resté là, c'est même pas honte que tu vas comprendre qu'Alim Bongo est gabonais. Mais au fond, si tu fouilles, lui met là son passeport. D'abord, mon ami, est-ce qu'on épouse une Française? Pour longtemps, on n'a pas soi-même sa part de nationalité. Donc, par alliance, il est français.
Et c'est les gars qui ont vécu que là-bas depuis les années. Donc ne soyez pas surpris qu'il est même américain. Ah oui, mon ami, le père fait ses 40 ans au pouvoir. Tu penses que quoi? C'est les gars qui ont vécu que dehors toute leur vie. Donc c'est les gars qui facilement ils peuvent avoir même 3 passeports, même 4 passeports. Mais nous on est tous là. Le pauvre n'a jamais compris que non, pour accéder à certaines places dans la vie, mon ami, il y a des règles à suivre. Laisse ça. Il y a là où tu vas arriver, ça va te fatiguer, on va te fermer les portes. Parce qu'il va te falloir un laisser-passer. Le laisser-passer, c'est dans toutes les formes, si tu veux analyser. C'est dans toutes les formes, c'est trop grand, laisser-passer. Il y a là où on va demander que ton derrière. Et il y a là où on va demander que le passeport, le passeport. Tu parles même, si c'est toi, tu es la superstar. Tu entres quelque part. On dit qu'on ne donne pas le visa ici au Cameroun. Le passeport, c'est là, non. Va chercher un autre passeport. Mais oui, le grand frère Richard Bonan nous a tout dit. Mais oui, pendant ses conseils, mais dis donc, attendez, un passeport d'avocat, il faut changer chaque 5 ans. Un gars comme lui, il voyage, il faut taper les stamps, prendre les visas, c'est fatigant. Toi, tu peux pas comprendre ça. Toi, tu es un nouveau voyageur, tu peux pas comprendre ce qu'il dit là. Un passeport qui passe son temps à prendre les visas, c'est fatigant. C'est fatigant. Et voilà pourquoi quand je vois certaines personnes, surtout en France, sur les réseaux sociaux, en train de faire les clashs. Que j'ai le passeport, je suis française et tu es pauvre. Mais attendez, mais il faut voyager. Découvre le monde. Il y a des petits produits que tu prends à 1 euro. Ça change ta vie. Voyage. Déplacez-vous. Nous sommes en Asie. Appelez-nous. Appelez Mbara Diaspora. Vous payez ses commissions. Il va t'apprendre. Il va te former. On est nombreux sur la toile là qu'il faut se faire former. Franchement, je vois les gens résistent. Ils ne peuvent pas le passeport. Tu es qui? Si moi, je n'avais pas des ambitions politiques. Ou même si moi, je ne m'affichais pas. Parce que je suis sûr que si j'avais la double nationalité, je serais rapatrié depuis. Là, on perd le temps avec toi. Comme le type, si là, mais il nous dérange, même alors qu'il est étranger. Mais faut te porter dans l'avion. Ils ont fait 2 heures de temps dans ma maison. Fouillé partout. Fouillé. Monté mon plafond. Parce qu'ils cherchaient l'autre, mon passeport. Je suis Camerounais. Chamin. Voilà. Mon fils s'appelle Bagbo. Toi, tu n'as pas une ambition. Et même si tu as l'ambition, il faut prendre pour nous. Prends pour nous protéger. Prends pour nous protéger. Prends la nationalité. Si tu es combattant et que tu as possibilité, prends-le. Tant nous, on va prendre le pouvoir là. Nous, on va vous accepter. C'est pas tout le monde qui va changer de nationalité. Surtout quand on a des ambitions politiques. Imaginez que notre président, le président Maurice Kamto, était un fuyard. C'est que qui est là maintenant pour nous représenter. Il faut comprendre ça. Prends ta part de passeport. Prends. Si tu peux, fais-le. Fais-le. Arrête de merder les gens. Mais attendez, bien sûr, non. Mais bien sûr, non. Je vous ai toujours dit que tout ça, c'est la mafia. Celui qui ne comprend pas n'a rien compris. La boxe anglaise, c'est la mafia. Et puis, j'ai compris. Tant pis pour toi. Nous sommes dans l'émotion. Voilà. Tu vas en Malte là-bas, tu achètes ta maison, 1 million d'euros, on te donne ton passeport. Oui, Union Européenne, il y a beaucoup de pays là, il y a les conditions. Même en Hollande, il y a même des conventions secrètes que vous ne pouvez même pas imaginer dans la vie. Il y a des choses que ça n'existe pas qu'aux pauvres. Et le pauvre ne peut pas en connaître certaines choses. Il y a des choses qu'il faut marcher pour comprendre. Non, oui. Il y a des choses qu'il faut marcher pour comprendre. Tant que tu ne marches pas, tu ne comprendras jamais la vérité. Hein? Il y a le passeport Guatemala là. Le Guatemalais là. Il y a des amis qui ont ça plein. Ils voyagent partout. Qui va venir devant toi te montrer que voici mon passeport avec lequel je voyage partout là. Que j'ai déjà fait 100 pays là. Tu crois que c'est quoi? Hein? Tu crois que c'est quoi? Tu vois que quelqu'un là, il voyage partout là. Tu crois que c'est quoi? C'est des choses que tu ne verras jamais. Il ne te montrera ça jamais. Mais c'est ce qu'il a. C'est pour bouger. Le premier capital d'un homme d'affaires, d'une célébrité, c'est son déplacement. Les moyens de déplacement. C'est souvent ça qui faute les hommes d'affaires. Même dans la vie réelle. Le déplacement. Et c'est la première des choses quand tu entres dans la grandeur du monde. Quand tu veux découvrir le monde. Quand tu veux que le monde t'acclame, te voie. Mon ami, tu es obligé. Comme les mariages par contrat, là. Oui. Il y a les nationalités par contrat. Il y a les nationalités par contrat. Les Africains, vous êtes trop bêtes. Ça se passe devant le notaire et tout. Tu remplis les formalités.
tu achètes. En 2015, je traverse la Libye. Devant moi, il y a un Chinois qui a eu la nationalité. J'étais un garçon d'hôtel. Je faisais l'entretien dans les hôtels. J'ai commencé comme security quand j'ai traversé la Libye à l'époque. Pour ces idiots qui disent que celui-ci était où d'abord? Tu me connais où? Tu me découvres en Libye, en Asie aujourd'hui, tout récemment quand il y a Facebook. Tu connais ma vie où? Tu me connais où? Il y a un Chinois qui venait chaque temps là. Chaque temps. Il se fâchait même un moment. Après, pour finir là, il a son passeport. Maintenant, avec ça, il voyage. Il y a des maisons abandonnées là-bas partout. En Hollande. Plein. Il y a des nationalités qu'on acquiert par business. Il y a des pays qui vendent leur nationalité. Mais pour que tu investis tel nombre de montants. Mais oui, possible. Pourquoi pas? Il y a des pays qui vendent leur nationalité. C'est du business. Mais comme les gens sont bêtes, l'Africain est tout là bête. Mon ami, ce que tu refuses de faire, on va le faire illégalement. On va tout le faire. Donc dans la vie là, au lieu de refuser tes enfants les réseaux sociaux, ok? Au lieu de refuser tes enfants les réseaux sociaux, accepte-les, tu les orientes. Voilà. Donc, Francis Ngannou, c'est une victoire mafieuse. Francis Ngannou s'est laissé battre. Sachant que dorénavant, Francis Ngannou va tout se laisser battre. Tant que on parle de la boxe anglaise. Tant que face à lui, il y a une égérie de la boxe anglaise, il ne gagnera jamais. Si vous voulez, vous tapez ma main. Pour vous montrer que j'ai raison. Tant que c'est un membre de la boxe anglaise, hein? Tant que c'est une égérie de chaque marque. La boxe anglaise est une marque. Maintenant, il y a ceux qui font la promotion de ça. Ils ont les acteurs. Ok, un peu comme les acteurs de Hollywood là. Mon ami, vous avez vu le rôle qu'on a donné à Francis Ngannou. Il ne fait pas partie encore des acteurs de Hollywood. Il allait jouer un film, hein? Fast and Fury. Francis Ngannou n'a même pas fait 2 minutes dedans. Mon ami, il ne fait pas partie de la sorcellerie, de la Kunga. Tu es en voie de devenir. C'est nous l'Africain qui donnons la place à l'étranger qui vient de commencer dans quelque chose, dans notre chose. On lui donne assez de temps. Non. Le monde n'est pas comme ça. Regardez bien le rôle qu'on a donné à Francis Ngannou dans Fast and Furious. À peine. Francis Ngannou, à peine dans le film, il a au trop 2 minutes, il est mort. Attends, je prends un exemple. Il est fort, il a une réputation, mais regardez son rôle dans Fast and Furious. Francis Ngannou n'est même pas 5 minutes. On l'a tué. Qui le tue? Qui le tue? Alors que s'il était un acteur principal, l'adversaire qui le tue, c'est aussi un costaud. Tu peux voir dans n'importe quel film, c'est n'importe qui joue avec Jean-Claude Van Damme. Non. C'est les acteurs maison de Hollywood. Même étant vieux, c'est les choses. Comme les stars de Hollywood là. Ouais, c'est Hollywood. Même chose comme en Inde. Mon ami, chacun sa chose, le Kunga. La vie, c'est le Kunga. C'est nous les Africains. Qui acceptons les gens dans nos choses, on leur donne tous les secrets, après ils viennent nous gagner. Soyez sages, vivez comme les autres. On peut faire comme les autres, ça veut dire qu'on accepte chacun. Mais le dernier secret, we are the one who keep it. We keep the last secret. You can do that, African. Can you do like those people? Yeah, sure. Yeah. You can accept anyone in your home, but you cannot give the secret to anyone. Jamais. Je veux que tape ma main. Mettez n'importe quel combattant de boxe anglaise face à Francis Ngannou, il perd. Tant qu'il est égérie de la boxe anglaise, tant que c'est un poids lourd, même si c'est Mayweather qui bagarre, qui est un poids léger là, ok, mais c'est poids moyen. Même si c'est Mayweather qui bagarre avec Francis Ngannou, il va que perdre, monsieur. Mon ami, tu as une réputation, tu es connu, tu viens d'une autre discipline, tu ne peux pas venir gagner quelqu'un, hein, un joueur phare, un 10 dans notre discipline. C'est nous qui avons l'argent. Tu veux l'argent, non? Ok, viens, tu humilies, on te tape, tu pars. Dis donc, on est trop bête. Petit frère, Abi Wise Man, Abi Don Grand, non, Perika? Ouais, Abi Don Tori, non, Perika? Abi Ancien Bangando, non? Non, Mouton de Mougou, non, c'est plein de types de réseaux sociaux, non, costumant de non?
la villageoise, ils n'ont pas vécu. Beaucoup ne peuvent pas me comprendre. C'est dans l'oreille. Il faut être un gentleman, comme disait mon grand, mon papa, la Piro Mbanga. Que Perika. Il y a un moment dans la vie qu'il faut être gentleman pour comprendre certaines choses. Si tu n'as pas compris le monde, si tu n'as pas donné, tu peux comprendre ce que moi je comprends là. Cherchez même le plus dernier des boxeurs. On ne le sacrifiera pas face à Francine Ngannou. Francine Ngannou, tu prends ton argent. Maintenant, par faveur, comme tu veux l'argent, on va chercher les poids lourds, champions du monde. Ok, l'argent ne sort pas de l'organisation, de la fédération, de la boxe anglaise. Non, 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 c'est les Saoudiens qui financent. C'est le Shiba, non? Shiba dans le Shiba. Shiba dans le Shiba. Ça se passe en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite est en train de préparer l'après-pétrole. On te dit qu'ils ont mis moins, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Les footballeurs payent 200 millions, 100 millions, 50 millions de dollars. On paye, l'argent coule à flot. L'argent coule à flot en Arabie Saoudite. C'est le Eldorado. Ils sont fous. Ils vendent le pays. Ils préparent l'après-pétrole. Même chose comme Dubaï en train de finir. Le pétrole va finir là-bas bientôt. Ils sont en train de construire. Ils vont vivre du tourisme. Pour cela, il faut vendre le pays. Il faudra asseoir certaines choses chez nous. Il faut avoir une réputation. C'est ça la vie. Comme les Américains ont travaillé pendant longtemps dans les films. Intimider le monde par les films. Oui, la première propagande des Américains, c'est dans les films. Te montrent qu'ils sont puissants. Ils ne perdent jamais la guerre. Le chef bandit, c'est un russe. Il perd toujours. Mais voilà la vérité. Voilà la vraie guerre. Attaquer alors. Ils cherchent des alliés. Ils n'ont même pas le cœur d'attaquer la Russie en face. Il faut contourner à côté, chercher les alliés. Même comme ça, ils n'attaquent pas. Alors que dans les films, si tu es dans les films, c'est que la Russie est dans la mort depuis. C'est que le chef bandit russe est dans la mort depuis. Vous ne comprenez pas ça, petit frère. Le monde, c'est il faut être wise. La propagande vient de certaines choses. La boxe anglaise, là, actuellement, là, le combat se déroule en Arabie Saoudite. Mais la promotion est à un autre niveau en Angleterre. Hein? On valorise les combattants en Angleterre. On a vu la dernière fois, quand Francine Ngannou voulait combattre, devait combattre avec Tyson Fury, la promotion qui est en Angleterre, parce que c'est la chose. It's our thing. C'est notre chose. C'est notre chose. C'est notre propriété intellectuelle. Football. Boxe anglaise là, c'est notre propriété. C'est la sorcellerie, petit. Petit frère, il faut écouter un Mbanga Diaspora. Le reste là, c'est les clients. Il y a beaucoup là qui ne comprennent pas. Ils vont t'appeler une affaire de diplôme. Non, la mafia, c'est pas une affaire de diplôme. C'est d'avoir compris la vie. C'est d'avoir vécu. On te parle pas, tu vois avec tes yeux. Tu essayes, tu ne respectes pas les règles, on te détruit. Il y a un exemple qui est l'autre, Mike Tyson. Oui, vous savez ce qui veut dire, on fait de toi un champion, et un jour on te dit tu perds, ça veut dire que tu vas t'humilier, le film que tu montais depuis les années là, donc toi aussi on peut te taper, oui bien sûr, tout ça c'est un prix à payer, c'est le prix à payer, vous croyez que Francine Ngannou doit aller, qui dit MMA, là-bas, UFC, PFL, il vient taper, un champion du monde dans sa discipline, vous êtes fou même là. Mon ami, donne-moi la langue, donne-moi un coup de poing. Je suis professionnel. Même le catch, c'est la mise en scène. Le catch qui est violent, on prend les chaises, on tape sur les gens, c'est la mise en scène. Et pendant la mise en scène, là, les gens se blessent. Ok? En plein tournage, les gens meurent, les acteurs, mais c'est la mise en scène. Ça ne fait pas de ça la réalité. Donc laissez ça. Ok? Laissez ça. Parfois, les combats sont souvent vrais, quand c'est entre eux là. Mais les combats de Francine Ngannou là, que Tyson Fury, vous acceptez que Tyson, que Mike Tyson, vous acceptez quand même que Francine Ngannou a tapé Tyson Fury, non? Mais attendez, mais est-ce qu'il a gagné alors? Malgré qu'il a tapé Tyson Fury, il a renversé au sol. Il était privilégié. Il a même donné les coups de poing avec le coude. Le coude, les choses interdites. On n'arrête pas le combat. Il est favorisé. Il est dans sa discipline. Toi, tu es qui? Tu es qui, non? Tu viens dans autre chose. On l'a favorisé malgré tout ça. Tyson Fury a gagné. C'est sa chose. Et vous croyez que, mon ami, on te propose l'argent. Tu t'humilies. Voilà.
C'est un signe de supériorité, non? C'est pas comme la suprématie, non? Mais oui! Le sport où il y a l'argent. Et que ça te serve de leçon, petit frère, c'est ça même la sorcellerie, non? Ne vois pas seulement ce que tu vois là. Ce que tu vois là, c'est du virtuel. Il y a beaucoup d'arrangements derrière. Il y a beaucoup d'arrangements derrière. Mais oui, c'est du virtuel. Beaucoup de choses que tu vois là, tu vois seulement, mais tu ne comprends rien. Les acteurs eux-mêmes, on dit ferme ta bouche, ne parle pas trop. Même dans le clash, il y a des vérités qui ne sortent pas. Mais oui, on se souvient auparavant, quand Calibro a mis la pression sur Macron. Et je suis que tout le monde était fâché contre Macron. Qu'est-ce que tu as dit comme ça là? J'ai dit à monsieur Biya que si vous ne libérez pas tel, vous ne serez pas en France. Terminé. C'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on ne dit pas. Comment ce qui est sorti de la bouche de Coutès, ministre Coutès, qui avait quoi avant? Monsieur, si moi je suis président, mon ami, tu déposes ta démission. Il y a ce qu'on ne dit pas. Que c'est anti-professionnel. C'est anti-républicain. C'est anti-politique. Tu t'assois devant les gens. Les gens pour qui tu dois rendre compte. Les gens chez qui toi tu dois rendre compte. C'est les contribuables. En réalité, sont tes vrais patrons. Tu les parles à l'un tendant le doigt. Tu les menaces. C'est quoi ça? Là, tu vous appelez ça quoi? Donc, ils veulent retourner les rôles. Alors qu'ailleurs, une autorité parle avec respect. Mon ami, parce que tu es en face de ceux-là qui ont fait de toi ce que tu es. Tu as leur service. Ça veut dire que si tu ne les rends pas service, tu vas rendre alors à qui? Vous voyez l'orgueil, prends le dessus. L'imbue de la personne de l'homme. Les menaces. Pourquoi? Parce qu'on oublie la réalité. Quand Dieu nous fait grâce, on commence à encenser le diable. On pense que notre grand maître c'est le diable. Jusqu'au jour où le même peuple là te dépose. Pour te dire que non, la volonté du peuple c'est la volonté de Dieu. Donc petit frère, apprenez à être wise. Ok, apprenez à être wise. Voilà. Donc si c'est passé une bonne journée. C'est samedi. Ciao. Vous croyez qu'un boxeur... Attendez, vous ne comprenez pas la chose. Nous, les Africains, on est tous là en train de parler. Écoutez-moi un peu là-bas. Pourquoi les boxeurs ne se reconvertissent pas aussi en combattant MMA? Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'un boxeur peut aller gagner dans le UFC ou bien dans le MMA? Est-ce qu'un boxeur là, est-ce qu'un boxeur anglais, de la boxe anglaise, peut aller gagner dans la discipline du MMA? Qui va le favoriser là-bas? Qui va? Nous, on est tous là en train de croire que non, c'est l'autre qui dépasse l'autre. Non, 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 non. C'est les moyens qui dépassent l'autre. C'est la promotion qui fait de toi un bon vendeur. C'est ta promotion. Ce n'est pas ta marchandise. Ok? Les Anglais font la promotion de la boxe anglaise. C'est la chose. Ils mettent l'argent. Ils mettent beaucoup d'argent. C'est comme les carrefours que vous voyez partout là. Carrefour est installé un peu partout. Mon ami, tu entres même dedans, tu ne vois aucun produit français. C'est les produits du terroir. Mais tu utilises le nom. Tu payes. Tu utilises le nom, tu payes. Donc arrêtons d'être bêtes, cher frère. La jeunesse surtout. Arrêtez d'être dans l'émotion. Notre frère, mon ami, il prend son âge, il vient construire. Il vient investir au Cameroun. Il donne l'emploi aux gens. Aujourd'hui, le voilà, il a conçu à Denver. Son centre là. Mon enfant part là-bas. Mon enfant se forme là-bas. Oui, mon enfant se forme là-bas. Auparavant, il est parti une fois à Batia, deux fois. Mon fils, qui est karatéka, qui est maître, qui a une ceinture noire. Oui, il part là-bas. Vous parlez quoi comme ça là? Donc arrêtez ça, arrêtez d'être bête là. Il a reçu le coup de poing, risqué sa vie. Ah bon, les gens meurent pendant le tournage de film. Mais c'est la mise en scène. Arrêtez ça. Les cascadeurs meurent, on cherche notre cascadeur. On le déguise. Ok? Voilà. Pendant le tournage, il y a le vrai chop-mop. Les gens chop-mop, vrai. Jusqu'à, il tombe amoureux, il se marie dans la vie réelle. Vous croyez que quoi là? Dégagez avec ça, dis donc. Alors, qui vous a dit qu'une mise en scène n'est pas une vérité, mais une réalité? Hein? Alors arrêtez ça, dis donc. Et que pendant les réalisations des films et les tournages, les gens s'embrassent. Les gens tombent amoureux. Et ils finissent par se marier. Mais alors que c'est un tournage. C'est une mise en scène. Vous dites qu'on n'a pas de sens.
Nous les Africains, on est toujours en train de bouger. On est bêtes même. Ça m'énerve même quand je vois certains jeunes. Que Francine Ngannou se fait taper par Joshua. Un enfant de la barrière. Un enfant de la barrière. Taper quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse dans la carrière. Fort. Mon ami, la force de Francine Ngannou n'est pas parce qu'il est un artiste en art martial. Non. C'est son cœur qui est fort. Tu peux pas taper Francine Ngannou. Il n'y a personne actuellement ici là. Qui peut. Là, comment le gars se laisse taper. Eh non, il s'est écroulé comme ça, mais c'est le modèle. Tu peux. Un enfant du ghetto. Mon ami, mon fils est karatéka. Je lui dis, tu es un enfant de barrière. Donc connais que le jour que tu as. Connais que le jour que tu vois un bangando, t'attaque. Il faut assommer vrai. Parce que si tu penses que par exemple tu es karatéka, tu vas le négliger là, il va te taper. Tu as ton père, non? Ton père n'est pas artiste. Je ne fais pas là. Mais tu viens mal. Ma lâcheté va te prendre. Parce que tu vas aller là-bas et dire que non, ici karatéka, tu vas confirmer. Lui, tout pour lui, il bagarre avec. Si c'est la bouteille, il a pris. Parce que c'est un enfant du ghetto. C'est un enfant du ghetto. Donc, c'est ça, dis donc. Un enfant du ghetto. Parle quoi là? Un enfant, ça, il est beau là, il n'a pas de cicatrice sur lui. Il vient, hein? Il vient, il dit qu'il va taper Francine Ngannou. Est-ce que vous acceptez? Mais c'est le modèle. C'est le modèle. Et c'est le modèle. Je ne crois pas. Je ne crois même pas. Je ne rêve même pas. C'est le modèle. Arrêtez ça, dis donc. On est trop dans l'émotion. On va comprendre, mais on est quand. C'est pourquoi il dit que faire le direct là. Pour vous amener à comprendre la vie. C'est le modèle. Il dit que c'est le modèle, petit frère. Non, il a les. Il te dit, c'est normal, non? La première fois, tu allais trop loin. Non, on ne veut pas ça. Non, on veut prendre le dessus sur tout. Sur tout. Tu es le champion, tu es là comme la marque. Francine Ngannou en vogue. Pourquoi? Parce qu'il a fui avec il a fui avec la ceinture de l'UFC. Il a fui avec ses champions en titre, mais qui n'exerce plus. Écoutez-moi bien. Francine Ngannou est la bonne et la meilleure personne qu'il faut à la place qu'il faut actuellement là. Il vient d'une discipline où il a gagné la ceinture et il est parti avec. Donc Francine Ngannou, c'est un wise man. C'est un vrai beau-zailleur. Écoutez-moi bien, Francine Ngannou est la personne qu'il faut actuellement, à la place qu'il faut. Il vient d'une autre discipline où il est champion du monde. Si Francine Ngannou n'avait jamais été champion du monde dans l'UFC, il ne pouvait jamais être là-bas. C'est qu'il ne signe pas les contrats là. C'est parce qu'il est champion du monde, UFC. Et son parcours qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui là. Il a pris le désert, il est un partout, il a un parcours atypique, unique. Montrez-moi quelqu'un. Tous ces gens dont on parle là, c'est les gars qui ont passé leur jeunesse dans la salle. Ils ont passé toute leur vie, toute leur jeunesse dans la salle à devenir champion, à devenir boxeur, à devenir combattant. Pas Francine Ngannou. À un moment de sa vie, il a disparu. Il a pris le désert. Parlons quoi là? Il a un parcours atypique, spécial. Donc même quand il perd, il a gagné. Il est trop loin parce qu'il vient de loin. Il est déjà champion d'abord. Maintenant, ce qui manque à Francine Ngannou, c'est de donner sa voix pour les peuples qui souffrent, pour les défavoriser, pour les problèmes de son pays. Donner un mot pour le nozo. Encourager la jeunesse. Allez vous inscrire. Mais déjà, il dénonce le fait qu'il a souffert. Il est un exemple de vie pour la misère, la souffrance du régime, monsieur Bia. Il est un exemple. Il est le spécimen même. Pour certains qui ne parlent pas, faites attention. Quand Francine Ngannou déjà parle qu'il a pris la route, il est sorti étant petit, tout et tout. En bas âge, il chargeait les camions de sable. Ça montre comment traite les enfants au Cameroun. Mais oui, c'est toute une vie, Francine Ngannou. Et vous savez, ça ne plaît pas le régime. Hein? Quand tu es au niveau de Francine Ngannou, devant les grandes chaînes du monde, tu dis certaines choses. Ça affiche. Parce que le système, le régime de Yaoundé, même quand tu viens seulement présenter ton trophée, sans rien dire. Mais quand il parle de son parcours, c'est déjà une forme de dénoncer pour certaines personnes qui disent que Francine Ngannou ne parle pas là, non. Francine Ngannou n'a pas besoin de beaucoup parler. Il dit c'est un mot là, tac, et ça prend tout. C'est pas ton camarade. Il dit même que ce n'est un camarade de personne, le niveau où il est là. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il suffit seulement que, lors d'un combat, il dit seulement que, pap, voilà, peace in nozo. Peace in nozo, ça suffit. Il ne crie pas, il n'est pas là pour crier comme nous les gars. Hein? Il n'est pas là pour crier. Il travaille pour trop parler. Voilà, voilà, voilà. Il travaille pour trop parler. Donc voilà. Non, non, il ne peut pas être avec le régime. Non, il ne peut pas. Parfois, il faut approcher les gens pour bien les mordre. Il ne peut jamais être avec le régime. Mon ami, vous savez, quelqu'un qui a beau ça,
Non, non, non. Laissez les petits beaux-aïeux là, qui veulent être, qui se passent pour les petits hommes d'affaires là. Non. Quand on dit que quelqu'un qui a beaux oeil atteint le niveau de Francine Ngannou, c'est pas donné à n'importe qui. Ok? C'est un sur un million. C'est un en 100 ans. Voilà. Donc, Francine Ngannou, c'est un sur un million. C'est un en 100 ans. Laissez-moi mes petits amis là, parfois là, mes amis du village là, que bon, ils rentrent aujourd'hui, ils ont un peu, ils soutiennent le frère du village. Laissez ça. Ou bien même certaines personnes. On ne peut pas avoir le niveau de Francine Ngannou, avoir souffert et se contredire. Non. Tout simplement, voilà. Quand on a beau ça, on a souffert, on a fait la forêt. Hein? On a mangé, on a déprimé les petits hérissons là, les souris avec les pigs là. Hein? On a tourné le bancou au désert, on a mangé pour remplir le ventre. Au lieu de te nourrir, tu remplis le ventre. Quand tu as fait le parcours là, quand tu as souffert et que tu deviens un Francine Ngannou, tu ne peux pas te contredire. Faisons beaucoup attention. C'est le parcours de Francine Ngannou qui fait de lui ce qu'il est. Pas parce qu'il est trop fort. Il a un parcours atypique. Voilà, il a un miracle. Il est même un exemple. Il est même le rêve d'une. Quand tu le vois, tu peux rêver. Qu'on peut quitter nulle part, devenir là, ce qu'on est. Grâce à lui, on regroupe les sommités du monde. Grâce à lui. Il y a qui actuellement qu'on peut prendre? Il va se faire beaucoup d'argent. Il n'a même pas commencé. Il aura beaucoup d'argent, ce garçon. C'est tout. Voilà, il aura beaucoup d'argent. Et il reste toujours humble. C'est tout. C'est que lui-même, il ne connaît pas encore sa vraie valeur. Mais il suffit, il passe un mot. Hop, c'est parti. Voilà, donc on a dit que, avec lui, on peut se vanter. Voilà, comme je vois les gens, voilà les membres, les petits artistes camerounais, les stands, les noms, ils vont aller s'accrocher. Il les laisse se balader derrière les Davido. Il oublie que Francine Ngannou pas arrêter sa main comme ça, là, que bon, toi, à partir de maintenant, tu vas chanter avec tel américain. Tu peux chanter avec Drake. Mais comme c'est des petits villageois, les stands, les noms, tu vas le voir se balader derrière les stands nigériens, on ne le gère même pas, on ne le calcule même pas. Avec les blanches baillis, elles vont là-bas chez Don Jésus au Nigeria. On les manque le respect. Voilà votre frère. Voilà même votre papa, Richard Bono, qui vous a tendu la main, que vous êtes prêt à venir. Venez. Mais vous avez peur. Voilà votre frère Francine Ngannou. Au lieu de signer derrière lui, il est capable d'arrêter ta main comme ça. Là. Il te présente à Eminem. Même si tu es seulement chez Eminem, tu nettoies le studio pour quelques jours. Et Francine Ngannou va l'appeler pour le rappeler que s'il te plaît, fais quelque chose pour l'enfant là. C'est fini. Mais vous êtes derrière là. Ah, vous aimez toujours être roi au pays des aveugles. Allez être balleur de sol dans le pays des aveugles. Oui, oui, oui. Allez balayer le sol chez les bonnes. Oui, oui, allez balayer le sol chez les bonnes. Au moins, vas-y, tu vas balayer le sol chez les bonnes. Ta vie va changer. Bande de rats.